Mesdames et messieurs, bien bonsoir. Ou bonsoir éventuellement, ou bonjour. Que le Créateur et les mains de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. Ici, Maître P. Gardien de la Tradition, avocat des femmes. Et aussi, je salue tous les messieurs qui sont là. Comme nous sommes sur la chaîne Secret pour les femmes, je suis de vous saluer. Et je suis fier que vous soyez là parce que vous vous abonnez massivement. N'oubliez pas de continuer, mesdames, à vous abonner massivement et messieurs aussi. Partagez la vidéo, activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Et surtout, n'oubliez pas notre slogan, prenez votre petit carnet et écrivez. Je vous donne des secrets depuis un certain temps, simple, radical et authentique. Parce que je suis dans des conditions pour vous donner des choses. Parce que j'ai compris un petit peu certaines difficultés que beaucoup de personnes ont pour trouver les ingrédients. Donc, il a fallu négocier avec les forces spirituelles pour vous donner des choses. Et puis, par rapport à ma connaissance, pour vous donner des choses que vous pouvez faire plus ou moins facilement, assez facilement. Mais que l'efficacité soit au rendez-vous. Vous savez peut-être que vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. Ça, je suis ma messie. Je suis un prêtre mamie. Donc ça, ce sont des choses, des symboles de mamie. Donc mamie, yemanja, etc. C'est des choses que j'aurai l'occasion de vous expliquer tout cela. Donc c'est pas en vain que je tiens ça comme ça dans ma main. Je sais ce que je vous donne et pourquoi je tiens ça et je sais où je me trouve aussi. Vous savez, nous allons parler toujours dans les secrets, l'œuf. Je vous donne des choses, faites-les. L'œuf, si vous avez constaté, l'œuf fait quoi? L'œuf donne la vie, la preuve, l'œuf crée les poussins. Et même au niveau de la femme quand elle est en grossesse, même si on dit que c'est un placenta et autres, mais si vous constatez que le ventre de la femme, c'est comme si elle avait un œuf. C'est une façon de parler, et on dirait une sorte de métaphore. C'est comme un œuf. Parce que si l'enfant commence comme ça, commence presque la même procédure qu'avec la poule. Donc, l'œuf joue un rôle très important dans tout ce qui est spiritualité et dans notre vie active. On fait le bien et on fait le mal avec l'œuf. Mais ici, sous notre chaîne, vous connaissez déjà. Il n'y a pas de mal ici. Nous ne faisons que le bien. Que le bien. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent que mais tu ne peux pas faire le mal. Je ne fais pas le mal aux gens. Parce que je connais les répercussions du mal. J'ai vu ça devant mes yeux. J'ai vu ça à l'œuvre. Donc moi, je n'ai pas ce temps-là. Faites du bien autour de vous. Au lieu de penser à être jaloux de quelqu'un. C'est toujours les jaloux qui deviennent des aigris. Et c'est toujours eux qui sont toujours en train de faire du mal à leur prochain. On les cherche des solutions pour pouvoir aller de l'avant. C'est très simple. Un œuf, ça c'est quand vous avez des situations, une situation qui est un peu compliquée, un problème vous tombe dessus, vous ne savez pas comment faire pour trouver la solution. Très simple. Vous cherchez un œuf chez vous. Bon, là, ce sont des œufs on va dire, de poule locale. C'est un peu plus efficace. Mais peu importe, là, c'est pas forcément que ça soit blanc, ça peut être jaune, ça peut être n'importe comment. Un œuf, même si vous avez été acheté un œuf dans une boutique, supermarché, peu importe l'endroit, même si vous avez acheté plusieurs et vous prenez un dedans. Quand vous prenez l'œuf, vous mettez l'œuf comme ça, les deux côtés, dans vos mains, comme ça. Peu importe le jour, parce que quand le problème est là, il faudra le résoudre. Vous mettez l'œuf comme ça, dans vos mains, et vous allez parler. Peu importe l'heure, vous parlez du problème qui est venu tomber sur vous. Vous parlez du problème, vous parlez. Et vous dites, au nom de celui qui a dit, tout a été fait. Au nom de Agla, au nom de Léolam, au nom de Adonai, je vous implore de me sortir de ce problème. Ou de ces problèmes, mais c'est plutôt un problème. Si vous avez un problème grave, ça agira rapidement et ça sera plus efficace au lieu de charger beaucoup de problèmes sur un seul œuf. Donc sous ce problème, de me sortir dans ce problème. Quand vous avez fini, vous prenez l'œuf, vous prenez un verre, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez l'œuf dedans et vous mettez une petite prise de sel fin dedans.
Et vous faites en sorte pour le mettre sous votre lit, mais au niveau de la tête. Bon, pour les gens qui ont un peu de mal à faire ça, vous pouvez peut-être faire un système pour mettre quelque chose qui couvre ça, et puis vous mettez, je sais pas, un oreiller dessus, même si vous dormez par terre, mais il faut que votre tête soit déposée dessus. Donc c'est à vous de trouver un petit mécanisme de façon à ce que le verre ne puisse pas vous blesser. Donc vous le protégez avec quelque chose et vous mettez un coussin ou quelque chose pour protéger, mais il faut que votre tête soit dessus. Le lendemain, peu importe où vous mettez votre tête, dans le sens où vous mettez votre tête, le lendemain au réveil, vous sortez de chez vous sans parler à quelqu'un, un peu dans le quartier, si un carrefour au rond-point, avec votre main gauche, avant de parler à quelqu'un, avec votre main gauche, vous dites, vous le pointez comme ça, le Yod Evo Hei, 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 Yod Evo Hei. Aujourd'hui, tel problème, c'est terminé dans ma vie. Vous envoyez l'œuf derrière votre dos. Vous envoyez l'œuf derrière votre dos, vous regardez. C'est-à-dire, vous mettez dos au carrefour, ou bien au rond-point. Vous mettez votre dos, c'est le rond-point derrière votre dos. Vous envoyez l'œuf comme ça. Et puis, vous dites que vos problèmes sont, ce problème, la question, aujourd'hui, c'est fini. Et vous partez. Le résultat est sans appel. C'est résultat immédiat. En même temps, le problème est résolu. Peu importe ce que c'est. Vous résoudre un problème à la seconde même. C'était Maître P, gardien de la mission, avocat des femmes. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de partager la vidéo massivement, d'activer la cloche de notification et surtout, abonnez-vous. Et écrivez toutes les recettes. Vous connaissez, vous savez déjà, nous sommes là pour sauvegarder la tradition. Et prenez soin de vous. Restez en vie pour voir demain. Je vous aime. Prenez soin de vous.